Ah, j'ai ouvert la bouche. Ça sent le citron. J'en ai dans la bouche. Salut, moi c'est Brandon, je viens du 9-3, je viens à la villa pour pécho, trop envie de pécho quoi. Moi mon rêve c'est d'aller en Italie, j'adore l'Italie, bene bene. Bah projet professionnel j'en ai plein, enfin j'ai fait gogo dancer, t'as vu le score, bébé. Enfin tu vois comment je suis gaulé, voilà, enfin moi je pense que je vais kiffer à la villa, d'habitude les gens m'aiment bien, les meufs me sautent dessus, trop chaud quoi, t'inquiète, je t'aime. Tu parles sur Brando? Je parle à Dominique. Tu vois, genre, mes frères, t'as même pas les couilles de me parler en face. Brando, bien évidemment, tu parles à Dominique. Je suis en train de discuter. Mais je parle à Dominique. Mais Dominique. Bon, quoi, tout de suite, on en a un peu rien à faire, hein? On a rien à faire, tu sais pas combien ça rapporte aussi, tu savais combien ça rapporte. Ça rapporte plus qu'une maison à Monaco? Pardon? Est-ce que ça rapporte plus qu'une maison à Monaco? Ah oui, ouais. Moi je doute. Elle n'en sait rien. Là, je suis en train de mettre les arguments. Il va me la vendre. Celle-ci, il va me la vendre. Salut, c'est Marie-Jeanne. Je vis la vie à fleur de peau. Ce que je recherche dans cette aventure, c'est connexion plus forte avec tous les éléments de la terre, de l'eau, du ciel, de la fumée. Je sens que je vais grave aimer les gens. Rencontrer du monde sympa, cool, détente quoi, c'est la vie belle. Ah. Moi je l'ai avec ma voiture, les gars. Mais il a pas le permis. Eh ben oui, c'est pour ça, elle servira pas pour Noël. Je l'ai avec ma Citroën, à Brigitte. Qu'est-ce que tu me lègues à moi, Julie? Ma Switch. Ah, d'accord. Il y en faut peu. C'est quelle collection? Ethereum. La marine. Oh, je la mate à la cape. Elle est jaune bourdon. Toujours ne file pas, c'est trop vénère. Dylan, ferme ta gueule. Oh, bonjour, bonjour. Ça suffit. Salut, je m'appelle Cindy, j'ai 23 ans, je fais un CAP coiffure en ce moment. J'aimerais bien ouvrir mon salon sur Marseille. Et puis moi, dans cette aventure, j'aime kiffer quoi. Je vais chill un max, j'aimerais bien rencontrer l'amour. Et voilà quoi. Merde. Je vais agresser par les mouches. Lave-toi. Mais j'arrive pas à la plaque. Fais que ça de la journée. Mais il y a des autres gars à la piscine là-bas et elle va même pas les voir. Elle me dégoûte. Elle met ça sur un fauteuil. Mais je me chaise sur ce fauteuil, moi. C'est les meilleurs fauteuils. C'est chou. Eh bien, bonjour, je suis Dominique. Je suis à la villa pour calmer mes addictions, ma nymphomanie. Je suis à la recherche de désir charnel. Je croyais que c'était un mouche. Tu pas les mouches, hein? Non, vrai. Il y a Fredo qui parle en tongue. Elle a dit mouche, elle a dit putain. Oh, cogne. Salut, moi c'est Fred, Fredo pour les intimes. J'ai 20 ans et une politique de zéro gros mot qui me colle à la peau. Je viens dans la villa pour éviter les conflits, bien sûr. Et parce que les jeunes, de nos jours, ils parlent mal, se comportent comme des abrutis. Cependant, je veux arranger les choses. Un gourmet la mouche. Ah, gourmet la mouche! Insupportable, elle fait sa voix, elle est arrivée là depuis hier, elle a fait son truc. La meuf, elle a oui, zéro gros mot, je viens du sud, partout. Mais elle est morte, Tous les chemins mènent à Marseille. Moi je suis pas sûr qu'elle vient de Marseille, vous avez vu son accent? Moi je pensais à un gros crack. Où sont les patates? Oui, c'est un gros crack. La frigo, frigo. Les patates sont là! Où là? Dans le placard! Voilà, précise! Regardez, on a chacun une jambe. J'ai la jambe de Julie. Gérard Leparlu, gros nez, très bonne descente en avant. C'est très gros chez lui, parfait. Je suis une femme de grande vertu, mais je n'ai pas vu le Gérard Leparlu, non. Bonjour, moi c'est Brenda. J'ai 24 ans. Aujourd'hui, si je suis dans cette aventure, c'est avant tout pour avoir une belle grande carrière d'actrice, car il y a tout plein de beaux mondes ici. Au cours de ma très grande carrière d'actrice, j'ai pu jouer avec trois Gérard. Gérard Depardieu, Gérard Darmon et Gérard Jugnot. Dans cette aventure, ce que je ne veux pas voir, c'est des gens pauvres, car je déteste la pauvreté
C'est associé aux gens sales et j'aime être propre. Je pense apporter à l'aventure beaucoup de grâce et d'élégance car j'habite à Monaco et j'ai beaucoup d'argent, voilà. Attends, je vous apprends comment. Dans les grands cinémas, on fait semblant de se noyer. Oh non. Je me noie. Attention, un autre bébé. Je suis que bien aidé, les gars. Être docteur. Je suis le faible crochet. Elle coule encore. Et voilà. Et demain. Oh, je suis d'accord, doucement. Pour faire quoi? Oh, Ethan, ça fait trop. Ethan, alors que Brandon, quand même plus d'impact quand on prend le. Et ensuite. Ouais, très très gros, ça l'a dit. Je suis humoriste, metteur en scène. Et on a une tradition dans la famille, à Noël. Parle-moi un coup plus, s'il te plaît. À Noël. Et si je me coupe, on va aux urgences. Oui. Estelle, Vagal. Et là, je mets mes pieds à la surface parce que je respire du bout des pieds. Marie-Jeanne cherche des clients. Je dis des courbes. Des courbes du chien. C'est comme ça avant. Je sens. Je suis pas d'accord. C'est parce que vous êtes d'accord que ce n'est pas vrai. Mais c'est pas parce que je suis d'accord. Plein de gens pensent que la Terre est plate et pourtant ce n'est pas vrai. Hein. Vous savez quelque chose peut-être? Oui, mon ami est astrono. Vous connaissez Thomas Pesquet. Tu me préférais quand t'avais les boules qui est, pas toi? Il faudrait investir plus dans la boule qui est que dans les livres, madame. Rien à voir, parce que si j'ai des boules qui est, je peux toujours parler. Tu parles à moi? Ouais. Et après, c'est toi qui dis qu'il parle pas dans mon dos? Alors, tu me la refais, moi, en français? Donc, on peut pas savourer un bon livre sans vous casser les couilles, quoi. J'ai des boules qui est, mémé, et tu me fais pas chier. Je suis d'accord. Ça m'énerve les gens heureux. Ça m'énerve les gens heureux. Non, allez, t'as du placo. Je suis une professionnelle de la maçonnerie. Oh, celui-là, il est creux. Il est creux! Bah, Brigitte, qu'on appelle Brigitte, ma mère. Bah, Brigitte avait raison, quoi. On n'a pas fait un si beau bébé depuis Julie Bosch. D'ailleurs, on n'a pas fait mieux depuis le Milan. Hein. Mes frères, calme-toi. Quoi? Je sais plus quoi répondre. Il sait pas répondre au clash. Je crée des embrouilles et après je les laisse des autres. Il a pris la merde et après il y crée. Merci. Oh là 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 là. Tu seras mort, j'irai te pleurer, tu feras de ça te faire plaisir. Bah oui, j'adore. T'arroseras les planches aussi. Non, bah je pisserai dessus. C'est pour les arroser. Arrête de filmer, on a une conversation privée. Salut, moi c'est Pete, j'ai 20 ans. Ça fait une dizaine d'années que j'essaye de postuler à cette émission et on dira un bon ami à moi, là où on a tourné. Ma spécialité c'est draguer, manger, boire, fumer, me baigner. Me baigner. Comme vous voyez, j'ai pas été à l'école très longtemps, mais je suis là pour choper. Il fait l'insolent. Ouais. Il faut s'attendre à des orages costauds, d'après Olivier Proust. Voilà, lui, les infos. Léa m'a vraiment regardé dans les yeux, puis elle m'a fait son speech de Miss Météo Evelyne Delia. Vas-y. Sur Instagram. Gossip. Elle est sur Gossip. Après les fortes chaleurs, viennent les orages. Alors ça, merci. Ce mercredi matin. Donc ce matin, Météo France a passé 28 déplacements orange pour risque d'orage. Structure connue, selon hein. Météo France, excuse-moi, combien de fois c'est arrivé qu'ils disent vigilance orange et qu'il y ait l'orage genre 3 jours plus tard? D'accord, très bien. Bisous. Ça me fait rire. Non, quand tu penses que c'est à droite, c'est à gauche. Non, toujours à droite. Au pire, Gaëtan va à droite et tu nous dis. Tu nous dis ce qu'il y a. J'aurais voulu me faire la bête, j'en avais pas le courage pour t'en vouloir. Bah, je sais pas où il est. Je sais. Il va dans sa chambre? C'est dans sa chambre. Ah! Il est dans la penderie parce que t'as des habits qui bougent. En oh, Marine! Il faut s'attendre à des orages constants. Après les fortes chaleurs, viennent les orages. Pire, demain, je fais un motif comme quoi je suis morte.
sous la fenêtre. On m'a fait mouiller. Une tragédie. Une tragédie. Créativité, une sensibilité sur les thématiques culture, c'est tout moi. C'est tout, je dis. Surtout pour le relationnel. Raté déjà. Arrêtez. Cours ta course. Elle est bassement confortable cette moquette. C'est un tapis. Oh. Mais côte apparente. Julie, un mot. You are a man. Des cadences, des goûts. Avec mon mec. Ton mec est trop. Oh, ça dégoûte. Bitch. Salut, moi c'est Kimberley, Kim pour les intimes. J'ai 20 ans, je vis à Los Angeles, dans la villa de mon troisième daddy. Moi je suis venue là pour devenir une star, pas pour faire du bénévolat. Y'a pas de débat en fait, c'est moi la pépite. Kimberley, te mets au tapis. Tu veux sur Eva parce que... Là, on assiste à un climat violent. Un congolais peut-être. Non, je suis fâchée. Il se pense drôle, c'est ça qui est marrant. Pas peur, je vais gagner. Je sais pas qu'est-ce qu'on peut gagner, mais je vais gagner. Je suis là pour gagner de toute façon. Non mais ça va être défoncé. Ça. Un chien moi. Ça filme. Hey, c'est pas moi là. Ça filme. Non, je. Ok, vas-y. Vas-y. Oui, oui, j'enchaîne. Elle veut quoi, elle? Non, mais tout ça, mais... Elle est vraiment pénible. Je suis là avec mon bouquin et tu m'emmerdes, quoi. Tu vas lire? Chante, ça dépend bien. Ça faisait du bien, cette intervention. Oh, oui.